Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Dark Souls 2. On continue donc dans la dernière phase du jeu. C'est le retour du dragon. Donc, on va tranquillement monter, se réchauffer un peu. Oula, nickel. Donc en off, j'ai essayé de faire de fond en comble. Alors la zone de faire avec toute la lave. Et les beffrois. Alors c'est vrai que pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas à péter les murs illusoires. Donc ça, il faudra que je me renseigne. Parce qu'a priori il y avait une épée à récupérer à la fin du beffroi au niveau du château de fer, mais j'ai pas réussi à aller la voir parce qu'il était derrière un mur invisible pour se suivre. Et sinon les gargouilles par contre là c'était extrêmement easy. Enfin revenir avec lui tout mon matos s'est avéré bien easy. Voilà, et de 1. Le gros monsieur d'abord, car. Bon. Petit. Voilà, nickel. Annulé. Coucou. Voilà, hop. Et voilà, on profite toujours de l'escalier en hache. Allez. Hop. Un à la fois, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas sur lui comme ça. Voilà. J'aime bien leur armure. Bon, toi t'es double hache. What? C'est légal comme moment ça? Oui, et donc il m'en reste un seul. Ah non, putain. Ah
Putain, j'ai fait que ça. Oh, ils sont immondes. C'est vrai que les boucliers sont vraiment immondes. Ok, donc maintenant j'ai pu enfiler que deux et voilà, c'est bon. Ok, donc c'est bon, j'ai la strat. Ça faut vous bourrer. En plus c'est con. Voilà. Comme ça, on vient en haut. Voilà. Excusez-moi. Tu vas pas aussi loin. Voilà. Nickel. Huh?
Bon, vu les dégâts du machin. Ok. Non, t'es sérieux? Même en l'anticipant, quoi, c'est la misère. Inventaire. Équipement. D'humidité. Alors du coup j'ai essayé ça hein. Quand j'arrive juste qu'on pose par contre ça va être assez chiant. C'est ça qui me fait chier en fait. J'ai défoncé la gueule. Vraiment, je peux. Ça roule. Oh! J'aurais pu sauter jusqu'ici pour récupérer la truc. Ah. Allez hop. Mais non, je dis que je tentais. Et puis il y a le monsieur en haut. Alors, ça devient un petit peu play. Voilà. Salut. Grande hache. Alors, toi. Voilà. Nickel. Okay.
Voilà. Parfait. Alors, on m'appelle à l'ordre. Bon, voilà, ça c'était la partie facile. La partie chiante. Pas bien. Hop. Un point de vie, t'es sérieux? Et meurt. Voilà. Et oui, pour ceux qui prennent en route, je vais vers le dragon. Demande un rapport chez Viewer, c'est inadmissible. C'est mon matos, ça me paraît pas déconnant. Bon, alors, résumé de l'épisode précédent qui n'a pas été diffusé. J'ai tenté de trouver tous les feux que j'avais loupés, ce que j'ai pas réussi à faire. Grosso modo, j'ai fini les deux clochers et j'ai un peu bagnoté. J'ai trouvé l'anneau d'or de convoite machin qui permet d'augmenter les drops. Il se situe donc dans la forteresse de fer. En fait, il suffit de prendre comment ça s'appelle, une échelle. Vous avez une zone à côté du feu de la cloche, de la deuxième cloche, du deuxième clocher. Qui vous voyez qu'il y a pas de forme qui monte et qui descend. Tout au fond, il y a une échelle. Vous montez, vous montez, vous montez. Vous allez arriver après, je sais pas, 2-3 minutes en haut du bâtiment. Après, vous allez devoir descendre en sautant de plateforme en plateforme. Et après, vous avez un squelette qui nage tranquillement dans un bain de lave. Et il est là-dedans. Voilà. C'est la seule chose à peu près intéressante que j'ai fait. Puis sinon après j'ai maxé mon équipement. Et c'est à peu près tout. Voilà. J'ai pris assez peu de niveau. J'ai dû en mettre encore deux en force et un en vitesse. Voilà voilà. Mais j'ai pas trouvé... Si j'ai trouvé le deuxième forgeron du coup, je sais pas. Je me semble pas que ça a été diffusé. Malheureusement... il marche pas. Je sais pas pourquoi il marche pas. C'est comme Lucatiel, j'ai été regarder quand même sur internet et j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais elle n'est pas venue. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Ça c'est le jeu qui me. Dark Souls qui me disent nope. Donc bon. Je subis un peu. Alors maintenant, équipement, bon, suite à la dernière, le dernier problème, on va changer cet anneau-là en anneau de quartz de flamme, et on va serrer les fesses. Et si ça marche pas, bah tant pis. Oui! Putain de merde. Cours! Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai survécu. Alors, on va prendre ça aussi. La nouvelle, c'est que j'ai besoin de la quasi-totalité de mes HP pour survivre. Donc là, normalement, c'est nickel. Voilà.
Allez, on frappe là, gentiment. Nombre de pieds que j'aurais frappé dans ce préco. Ah, run away! Et en plus il bouge le connard. Ça aussi c'est hyper chiant. Ah. Ouais, donc plutôt se tenir devant le pied en fait. Ça marche mieux. Mais donc oui, c'est ce dragon, pour avoir une chance, faut que je le fasse entièrement, avec toute ma vie. Et l'anneau de protection du feu. Bon, alors c'est pas que je commence à en avoir marre de vous taper. Mais un peu quand même. Je dois avouer. Oh, je dois être à 6 ou 7 fois là. Et 7... What? Alors toi par contre tu vas tellement crever. Ah. Non. Je sais pas ce que t'entendais de faire mais non. Par contre si. Hop. Bon. Toi là-bas. Allez, viens. Et viens, on est bien. Tu vas voir tout ce qu'on peut faire. Oui. Ouch. Bon, là. Hop. Quoi de... Et voilà, nickel. Incursion. J'ai plutôt bien calculé. Donc, bon, les deux grandes épées là on va se les faire. Ils présentent peu ou pas de difficultés. Voilà. Pousse à genoux. Toi d'abord. Je sais pas pourquoi celui-là il brille. Alors, je crois qu'on m'a su sur une réponse, mais j'ai pas entendu en fait. Voilà. Ah, non. Bah, j'ai simplement dit que c'était magique. J'ai eu l'espoir d'avoir un commentaire pertinent. Ah, celui-là il fait bien plaisir à mourir vite. Bon. Ah là, je suis pas fou de lui. Hop. Alors, petite esquive, tranquillement. Je vois la lumière au bout du tunnel. Un peu plus précis, je... Oh, quelqu'un a essayé de marquer ici. Commence à avoir un peu envie, j'avoue. Mais en fait, je suis pas sûr que ça résolve le problème parce que je risque quand même de crever comme une merde. Oh, c'est la tête de Vangarl. Vangarl. Alors du coup, j'invoque. C'est Vanguard. Voilà.
j'ai mes armes. Parce que je dois vous avouer que faire et refaire ce passage-là est un peu fatigant. Bon, je pense qu'il va mourir vite, Vanguard, mais bon, ouais, c'est pas grave. Hein. Avec un peu de chance, si le dragon aura fait son attaque, il sera pas encore arrivé. Il va survivre. Ah bah, il a survécu. Il a eu mal, mais il a survécu. Hop. Oh putain. Tour de the tail. Tu vois, en vrai, plus dalle. Putain, il a pris cher le Vanguard. Tellement failli recrever. Vanguard qui est quasiment mort. Putain, il aura rien foutu. On aura même pas pris l'aggro au final. Attends, on peut dire 5 passes de la fois. Ah si, c'est bien. Allez, on peut le faire, mon grand. Alors moi, je suis la queue. Ah mais si, t'as pris l'aggro pour ça. Cool, nickel. Bon, tu me reproches un coup, Van Graal, mais je me souviendrai toujours de toi. Bon, bah, ça y est. C'était un plaisir, Van Graal. Donc, si le con il reste dans son feu, j'y peux rien, moi. Si, j'attends. Non, je vais te... Oh putain. Où est la queue? Où est la queue? Où... What? J'ai pas compris ce que t'as fait, chef. Voilà, j'ai compris. Ok, la queue est là. Ah putain, t'as tourné. C'est le bar. Putain. Run away. J'ai tellement peur de me prendre des attaques. Ok, t'es là. What? Tu veux bien arrêter de faire cette attaque? Ça devient un peu lassant à force. Ouais, je suis beau. Ah la gourmandise d'un homme. Ce coup de plus qu'il... On va tuer ce connard de magicien. Non. Ah tiens, ça fait un drop. Merci. Ah putain, déjà une demi-heure de fail. Bon, on va faire une pause là et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain essai. Allez, à bientôt.